Et bonjour tout le monde, c'est Ryu, on se retrouve pour le 20... pour le 19e épisode du Let's Play sur Beyond Good and Evil. Dans l'épisode précédent, on a enfin atterri sur la Lune, et malheureusement, comme vous pouvez le voir en arrière-plan, on a retrouvé Paige qui est probablement mort. Je m'excuse pour la fin de l'épisode précédent qui a été laborieuse, vous comprenez pas la mort, etc. Mais j'ai pas été bon du tout. Et donc là, on va continuer d'explorer. On va remettre ça directement sur moi. Donc là, il nous faudra 3 personnes. Un peu bizarre cette zone. Moi, je suis là, je suis au 4. Il faut que j'aille. On va regarder s'il n'y a pas un truc par là. J'espère que vous allez bien. J'espère qu'on n'est pas très loin de la fin aussi. Mais de toute façon, là, j'ai pas trop le choix que de passer par là. La grande crise. Là, je vais peut-être passer par le 1 pour atteindre le... Ah, ça a l'air d'être un peu le bazar. Alors là, j'ai deux chemins. Un qui a... Les Iliens se méfient. Les captures sont de plus en plus difficiles à effectuer. Le réseau est... C'est d'aller vers le faisceau vert. Vous avez besoin de moi autant que j'ai besoin de vous, votre excellence. Shawnee, double H, allez vite diffuser le reportage depuis l'émetteur, et tout Illis sera avec nous. Le gouverneur... Mais où est l'émetteur? Ok. Mais il fallait être 3 pour aller là-bas. Tiens, quel pouvoir la fille? Odieusement sacrifiés et vidés de leur énergie par un prêtre Doms. Debout, citoyens, chassons les sections Alpha et les Doms. Bon,
Bon, ça va, c'était pas trop compliqué. Ah, le petit salto là. Double H, j'ai vu les prisonniers. C'est monstrueux, ils sont des centaines. Jade, nous pouvons sauver les autres victimes. Il faut diffuser le reportage depuis l'émetteur. La musique est quand même assez triste. Shoni, c'est incroyable. On vient de recevoir un mail de notre chef. Il est vivant, Jade. Vivant! Il était mort, mais il a ressuscité, quoi. Paige! Un peu tordu, le coup du code sous les chaussures. Tu les as trouvés? T'as pas trifouillé mes réglages, j'espère. Elles sont exactement pareilles. Odeur et tout. Paige, tu étais... mort, oui. Mais tu m'as sauvé. C'est toi qui m'as redonné la vie. Tu n'es pas celle que tu crois, Jade. Depuis toujours, une énergie prodigieuse sommeille en toi. Aujourd'hui, elle s'éveille... et tu commences à la maîtriser. Paige, les enfants, ils... Je suis au courant. Enlevés aussi, oui. Ils sont dans la grande crypte, là, en dessous. L'accès ne se fait que par l'aire d'atterrissage. Il faudra qu'on revienne en vaisseau. Mais pour l'instant, on ne peut rien faire du tout. Nous ne sommes pas assez nombreux. Il nous faut absolument de l'aide pour pouvoir attaquer cette base lunaire de fond. Le seul moyen d'obtenir le soutien des habitants d'Ilis, c'est de suivre le plan de Nino. Il faut boucler le reportage et le diffuser depuis l'émetteur. Ok, allons-y, Paige. Par contre, comment il a fait pour envoyer un mail alors que nous, on est obligé de passer par l'émetteur? Moi, il fallait que je passe par le... Et oui, on a réussi à le remettre d'aplomb, bon Paige.
Ça, je pense qu'il faut aller par là. Il y avait un point de sauvegarde par ici. Excusez-moi les gars. Bien reçu. Vous battez pas les gars, hein, soyez pas pressés. WH. Vous contrôlez l'émetteur? C'est incroyable! Je fais au plus vite. Tenez bon. Faites vite. Si la population se soulève, les sections alpha vont sûrement tenter de fuir. J5X7. Alignement émetteur. Pointage objectif. Ok, entrée data. C'est à toi de jouer maintenant, Jade. Ok. Données étrangères. Système protégé, accès interdit. Verrouillage. 10. Ils vont bloquer les contrôles. 9. 8. Ah, ne t'inquiète pas, Yad, ils m'ont coupé tout. 6. Amigo, 5. Secondo et l'unico va vous montrer 4, qui est le best of the best 3, ici. 2. 1. Système bloqué. Ah, bravo, El Unico! Le roi des saligots, ouais! L'empereur des crétins! Le peuple des abrutis! Le grand un architecte de mes... qui me casse les oreilles. Regarde. Ouverture de session en cours. Bonjour, Général Secundo. À votre service. Ciao, Bella. J'ai un ami qui souhaite diffuser un petit reportage. Tu me prépares un alignement sur la 21-3 Mazzoli. Tu es toujours aussi belle, hein? À vos ordres, Général. Eh bien, on a l'impression qu'il y a un clavier énorme alors qu'il y a que 6 touches sur le truc. Du réseau Iris, l'ennemi d'Homs a franchi les champs protecteurs et s'est infiltré dans ta cité. Assez! Unissons nos forces! Amigos, señores, señoras et bien sûr, señoritas! Ouvrez bien grand vos yeux, vos oreilles, tutti quanti!
Je ne vais pas vous dire des palabras, des mensonges et des choses à rallonge. Je vais juste vous montrer la vérité, hein? Las secciones alfa sont des bandous, des bandidos, des imposteurs, des rascals, des serpents honnêtes. Regardez les photos que nous avons prises. Les sections alpha sont les complices des forces d'Homs. Ce sont les sections alpha qui enlèvent les citoyens d'Ilis et les livres d'Homs. Une fois sur la Lune, les victimes sont vidées de leur énergie et meurent. Depuis le début, on a été trompés et manipulés. N'écoutons plus les mensonges des sections alpha. On aurait pu rajouter un Macron en démission, ça aurait été à peu près le même effet. C'est peut-être ce qu'il faudrait faire en France, mais petit instant politique. Les enfants sont encore dans la base d'Homs. Il faut retourner là-bas. Mais pour le moment, il vaut mieux évacuer le secteur. Bonne stratégie, soldat. Mais un peu tardive. Adieu. Procédure d'autodestruction enclenchée. Comme ça, ouais, j'allais sauvegarder avant. Allez, les deux, là. Après 1 minute 30, je pense que j'ai de la marge. Courez, courez, tout va exploser. Aïe. Par le réseau Iris, nos confrères de toujours. Le peuple ilien s'est soulevé pour chasser les sections Alpha hors d'Ilis. Une fois encore, la grande famille du journalisme a su montrer qu'elle avait un rôle essentiel à jouer dans l'histoire. Regardez ça. Ouais, bah j'aimerais bien, mais je suis en dessous là. Faut qu'il change de côté. Continuez, mademoiselle Jade.
Bah, on espère finir le jeu, ce serait cool. Je pense pas que ce soit la fin, mais... Aïe. Mais arrête, c'est pas gentil. Allez, change de côté, il y a un virage, voilà, prends le virage. Bim. Non, arrête. Ça va, ça m'est pas trop mal sorti. Attendre. Ok, on y va. Allons-y. Non, il n'y a rien. Alarme! Alarme! Aïe! Ah mince, y a un truc que j'ai pas fait. J'ai pas aussi, j'ai... Il les a quoi. Ok, lui il y en a deux. Donne intrusion, intrusion. Mince. Carlson et Peters là. Non, il n'y en a pas un qui. Ah si les gars. Tiens. Mince. Merci mademoiselle Jade. Par contre, toi tu veux me le rendre. Je préfère l'avoir avec Jade. Merci. Qu'est-ce que tu espères? Tous les tiens sont déjà morts. Ta mère et ton père, le porc et les gamins. Nous avons pillé leur fluide pour prolonger nos vies. Jaune, il te cherche. Il est sur ta trace depuis des siècles. Tu mourras, toi aussi. Et tombent les anges de l'enfer.
base. Tous les prisonniers sont encore dedans. T'es mort. J'ai entendu des voix là-haut. Il y avait encore quelqu'un de vivant. Il reste personne. Et donc là, les amis, je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. Bah, sois pas bête, Carlson et Peters. Parce que là, je sais pas ce qu'il nous reste. Il nous restait que peut-être un boss final. Et j'ai clairement pas envie J'ai clairement pas envie que ça prenne 3 heures. Enfin, que l'épisode dure 3 heures en tout cas. Donc, on se retrouvera pour un dernier épisode. Probablement. J'espère que ça vous aura plu. Et donc, nous, on va se retrouver très bientôt pour la suite et probablement la fin de nos aventures sur Beyond Good and Evil. Et d'ici là, portez-vous bien, à bientôt. Ciao!